qu'il y a un problème avec ton micro. On va pouvoir partager celui-là. Je pense qu'il y a un problème avec des piles. Okay. Une question. Mmh. Dans Apocalypse 5, verset 6, on parle des sept esprits de Dieu. Mmh. Et nous savons qu'il y a le Saint-Esprit. Donc, un esprit, je voulais savoir à quoi correspondent en fait les sept esprits de Dieu. Voilà. Ok. On va prendre tout à l'heure la personne juste après la question du frère. Merci l'équipe pour votre travail. Nous sommes. Je réponds une question et puis après je prends la personne. À quoi correspondent les sept esprits de Dieu? Donc ça c'est une supposition, c'est pas quelque chose qui a été dite de manière claire et nette. Et donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 11. Donc il y a pas le Saint-Esprit, il y a un seul esprit comme la parole le dit, mais en Dieu et Dieu est profond. Il est profond et le chiffre 7, le nombre 7 nous parle de la perfection, nous parle de l'absolu, nous parle de la justice du Seigneur. Et donc là, dans Ésaïe 11, on nous dit, mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Donc là, d'abord, nous avons l'esprit de Yahweh, premièrement. Deuxièmement, l'esprit de sagesse. Ensuite, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Ça fait combien en tout? Donc, esprit de Yahweh 1, esprit de sagesse 2, esprit d'intelligence 3, esprit de conseil 4, esprit de force 5, esprit de connaissance 6 et esprit de crainte de Yahweh 7. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est la parole véritable, la puissance de Dieu. Donc les sept esprits de Dieu, ben Ésaïe en a parlé ici, hein, il est question de l'esprit de Yahweh, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Pourquoi? Parce que quand l'esprit de Dieu touche quelqu'un, la personne va commencer à craindre Dieu. Donc on ne peut craindre Dieu sans l'esprit. On ne peut pas le faire sans l'esprit. On ne peut pas avoir la connaissance véritable sans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui enseigne. On ne peut pas avoir l'intelligence sans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui rend intelligent. Dieu dit dans Exode 31, il dit, j'ai rendu Betsaïel intelligent, parce qu'il a mis son esprit sur lui, son onction sur lui. L'esprit de force, eh bien, Samson était l'homme le plus fort, parce qu'il était saisi par l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, et l'esprit de sagesse, eh bien, il donne la sagesse. Donc c'est ça, les sept esprits de Dieu. Donc ce sont des qualités. Voilà. Gloire à Dieu.